Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, la situation est plus que tendue. Le monde entier part en vrille. J'ai l'impression que le monde, il y a un trou et l'air est en train de s'échapper. Et c'est en train de faire partout dans le monde entier, c'est n'importe quoi. Hein? La guerre est en train d'éclater avec tous les pays. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ukraine, Russie. Poupou face à Zelensky. Ensuite, on a Israël face à la Palestine. Hein? Enfin, c'est pas du tout un face-à-face. C'est plutôt Israël qui fracasse la Palestine. Voilà. Et en plus, soutenu, hein, par la communauté internationale pendant plus de 6 mois. Et après, quand il n'y a presque plus de Palestiniens, on dit, oh là là, oh, doucement, hein, c'est un peu trop là. Maintenant, Israël s'attaque à l'Iran. Et voilà. Et la communauté internationale va soutenir. Dans tous les cas, en France, on n'a pas le droit de dire le contraire, hein, on ne va pas se mentir. Donc, moi, vous ne verrez pas me dire, voilà, je ne sais plus parler. Allez, vive la France! En tout cas, mesdames et messieurs, je ne sais pas si le monde que nous connaissons va continuer à être le monde que nous connaissons. Hein. Je ne sais pas si demain nous allons continuer à pouvoir écouter de la musique. Là, on voit que c'est la guerre dans le monde du hip-hop, mais c'est aussi la guerre dans la vraie vie. Donc les gens, ils sont là, waouh, j'arrive pas à y croire, le hip-hop est de retour. Mais peut-être qu'il est de retour, mais sans nous. Tu comprends? Là, avec toutes les histoires de Puff Daddy qui sont sorties, de Jay-Z, hein? Maintenant, on a Drake, on a Kendrick Lamar, J. Cole, Rick Ross, tout le monde, ils sont en train de se faire la guerre. Chris Brown face à Quavo. Et là, aux États-Unis, ils sont tous là, oh my God, oh my God, alors que la guerre est en train de se préparer, hein? Ils sont tous comme ça, le doigt au-dessus du bouton de la bombe nucléaire, et nous, on écoute la musique. Bon, mesdames et messieurs, profitez, hein, voilà, on ne sait jamais de ce qui est fait de ce qui est demain, voilà. Dans tous les cas, j'ai mon spectacle vendredi, hein, j'espère qu'on va tenir jusqu'à vendredi. En tout cas, venez, prenez vos places, hein. Il y a déjà des places qui sont parties, hein. Donc là, il va falloir commencer à prendre des places. Sinon, tu vas rater parce que, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à l'avant-dernière date. Eh oui! Après cette date, c'est la dernière date. Et après, il ne faudra pas dire, non, mais il faut dire, oh, allez le haut, moi je voulais venir. Non, là, on s'en fout. Parce que si ça se trouve, le théâtre, il ne va même plus exister. Voilà. On ne sait pas si Poupou ou si je ne sais qui va bombarder Paris. On ne sait pas. Hein? On met de notre bouche partout. On va en Ukraine, on parle. On va en Russie, on parle. On va là-bas, on parle. Hein? Et tu veux pas parler? Déjà, même les JO, on ne sait même pas si ça va se faire.